Salut tout le monde, c'est Spectrol, comment ça va? On se retrouve bien pour le Let's Play de Pokémon version Saphir Alpha, l'épisode numéro 21. Dans l'épisode précédent, eh bien, l'épisode a duré pas mal de temps. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses, un maximum de CT, d'objets qu'on peut récupérer grâce à l'objet de la CS Surf, quoi. Pour aller dans différents endroits, on a été dans quelque chose qui m'intrigue. Franchement, il m'intrigue énormément, c'est ici. Avant c'était une épave, maintenant ça s'appelle l'Avandiacy. Et pour le moment on n'a pas plongé, donc on ne peut pas révéler ces mystères enfuis. Je sais pas ce qu'il y a en fait à l'intérieur. En tout cas il y a pas mal de portes fermées. Et pareil, une côté de l'Avandia s'est fermé pour le nul Avandia. Donc pour le moment, et en plus ils disent il y a 69 étages. C'est un petit peu bizarre. Ou alors peut-être ça a été fermé, je ne sais pas du tout. Peut-être on ne peut pas aller dans cet endroit, peut-être on peut juste capturer les Pokémon qui sont là-bas, ou alors il faut trouver une clé, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de mystères dans l'épisode précédent, donc je vous invite à le voir, voilà. Donc là, on a trois dresseurs à se faire. Visiblement, je pense que j'ai envie de les zapper, voilà. Je vous le dis honnêtement, je vais les zapper, je les ferai sûrement hors vidéo, au pire des cas. Mais c'est pas des plus intéressants, regardez-moi ça, vous avez un gamin chelou et puis une femme bizarre. Donc voilà, c'est parti. On va aller au parc safari, parce que je vous avais promis qu'on allait au parc safari dans l'épisode précédent. Enfin, je vous ai pas promis, mais on va dire que je vous avais un petit peu miroité un petit peu le parc safari, quoi. Et j'ai envie de voir un petit peu comment il est le parc safari. Donc, et c'est là qu'on va capturer peut-être pas mal de Pokémon. Je crois que c'est un dresseur, on va l'éviter aussi. On est où là? On est où? Tiens, il y a un truc là, il y a un truc. Je pense que je vais essayer de le prendre celui-là. Il est niveau 37 quand même. 37. Ce Kikléon est niveau 37. Waouh. Il est quand même relativement puissant, on dirait bien. Je sais pas ce qu'il a comme attaque. Il est de type feu maintenant. Il a tricherie. Je sais pas ce que c'est comme attaque ça. Ça fait pas grand chose. On fait une morsure. Je vais essayer de pas le tuer de préférence. Bon, tant pis. Ah, il donne beaucoup d'XP. Ça c'est intéressant. Et puis il y a monté niveau 22. Mais je voulais le capturer. C'est dommage. En plus niveau 37, c'est pas très souvent qu'on en trouve. Ouais. Tu me vois pas, d'accord? Ah! Oh là là, il y a un Upsol! Il me faut... Il me faut cet Upsol avant d'aller dans le parc safari niveau 27. On va essayer de le choper. Il m'a vu, c'est bon, nickel. Alors Upsol, fais voir comment t'es toi. Ah si... Vraiment stylé, quoi. J'essaie de pas te tuer, mais je vais faire assurance. Ouais, ça fait quand même du dégât, hein. Dans ce lame, oula. On va essayer de le capturer là. C'est la première Pokéball. Vas-y. Ah, il me reste que 29 Pokéball, hein. C'est très peu. C'est très peu. Et la psy coup de boule. Ah ouais, pas mal ça. Vas-y, on va essayer de le capturer là. Allez, go! Allez. Pas du tout, tu veux pas. Alors je sais pas, il a un taux de capture de quoi, mais de combien, mais... C'est limite un barloche, quoi. Je préfère les Pokéballs que les Hyperballs. Je sais que c'est plus puissant en Hyperball, mais j'ai envie de... Et capturer tout ça la Pokéball la plupart du temps en fonction des couleurs, j'ai envie de les capturer avec certaines balles en particulier, quoi. Et alors là, y a pas trop moyen, à part si je prends lui, j'essaye de l'empoisonner au pire des cas ou lui infliger des dégâts, mais j'ai peur qu'il pète la gueule. Je vais le rendre confus. Ah, il fait dans ce lame. Le rendre confus.
Voilà, si maintenant le symbole. Allez, on y croit. Vas-y. Pas du tout, c'est génial. Vas-y, sois confus. Vas-y, reflet. Reflet psy coup de boule. Bon, je vais pas réussir à le capturer, ça continue. Allez, viens. Maintenant. Il est plus confus déjà. Oh là là. Perso au mur. Non. Oh là là, coup critique là. J'arrive pas à capturer un obsol, c'est affreux. Vas-y Tariq. Si je fais une attaque, je le tue. Ouais, il est tout blanc, ouais, pourquoi pas tenter une Honor Ball, écoutez. C'est si un obsol comme ça. Oh mais non. Cette attaque de fou qu'il a. Il me le faut dans mon équipe ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a combien en attaque? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon là? Mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Eh mais non, il est tellement puissant. Il est tellement puissant cet Absol. C'est un Pokémon parfait ou quoi? Putain mais t'as vu les dégâts qu'il met? Il est que niveau 27 hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Rentrant dans cette Pokéball. Oui on l'a eu. Dis donc, c'est une destruction. Qu'est-ce que c'est que cet Absol là? Qu'est-ce que c'est que ce psychopathe d'Absol là? Qu'est-ce que c'est que cette attaque qui m'a mis là? Ok, il tranche les petits coups de boule, je sais que c'est puissant, mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je te renomme pas, je veux juste voir comment t'es toi. Non mais vous avez vu la puissance de cette bestiole? Il est même pas... Il évolue même pas, hein, sale pierre. Il m'a mis vraiment cher quoi. Alors là, je ne vais voir un peu ses stats. S'il est bon, je le prends peut-être dans l'équipe. Peut-être. Attention. Peut-être. Parce que là, franchement, il m'a mis de ses dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? À 79 en attaque. Ouh là là, pas mal. C'est pas mal. 79 en attaque. Bon, lui, il a plus que lui. Bon, lui, il a pas plus que lui. Ouais, mais il est que niveau 27, si vous regardez bien. 79, il rivalise avec presque mon camion, quoi. Putain, je sais pas, je trouve qu'il est fort, hein. Malpoli, sa nature, talent chanceux, je sais pas ce que c'est. Augmente la fréquence des coups critiques. Oh mais c'est énorme son talent. Il baisse sa vitesse, augmente sa défense spécialement. Je crois que sa nature elle est pas terrible. Mais il a déjà une bonne attaque. Hein. Non je vais pas le prendre mais... Dites-le moi dans les commentaires si je le prends. Mais en tout cas il m'a bien mis mal quoi. Putain, tranche avec coup critique, ça se trouve il peut avoir griffe ombre. C'est à dire pareil, c'est un fort taux de coup critique plus son talent. Il fait presque que des coups critiques alors. C'est vraiment pas mal. Là, chapeau quoi. Chapeau l'Absol. Je sais pas s'il a, il a ça en talent de base. Mais en tout cas c'est très puissant. Ouais. Bon, on avait dit qu'on allait au parc safari, hein, je vous l'avais dit. Non, juste avant, mince. Je suis vraiment bête, t'es pas. Ouais, on va prendre des pokéballs. Je suis visiblement... J'ai presque plus rien.
Alors. Pokéball. 31 à l'offre. Je pense que je suis assez équipé. Ah la vache, je repense le moment où Absol m'a attaqué quoi. C'est absolument fou. Bon, là on va essayer de se dépêcher pour vous montrer le parc safari. Je m'en fous. Je m'en fous de ton Kikléon là. Tu ne résistes même pas à mes attaques. Pitoyable. Attends, on trouve des Pokémon dans... Avec le vélo de course ou quoi? Avant il y avait un dresseur ici, il avait des Aragdo. Et après si on recombattait il avait un Mascadra ou des Mascadra. Ah il m'a vu, c'est dommage. Pourtant regardez à gauche, mais bon. Je sais pas si c'est des bugs. L'ombre. Kyuzago. Niveau 33. D'ailleurs on peut choper un super bonbon. On peut choper un super bonbon près du mont Memoria en bas droite où il y a une dresseuse je crois. Elle a un cadabra. Je crois que c'est ça. Ah oh machouille, pas mal ça. Du coup on va enlever assurance. On va enlever assurance ouais. On va aller à l'assurance. Gros Ray, il va prendre très très cher par machine maintenant. Bon, il avait pas de, vous avez pas de gros Ray. Nickel. Nickel, nickel. Tariq monte au niveau 46. Mine de rien, on est bientôt au niveau 50. Hein. C'est absolument fou. Alors, attends. Là... Le parc safari est où là? Oh non, dégage, dégage. Y'a pas un objet là? Attends, attends, y'a peut-être un truc là, non? Non, pas un Pokémon, je voulais un objet. Un Linéon. Ouais, mais non, je m'en fous. Je m'en fous un peu. Il est quand même niveau 29, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que c'est une dresseuse? Non. Ok. C'est une belle... Attends, mince. C'est des belles gars, ça? Ah, mais non, je m'en fous de toi, Lignon, là. Casse-toi. Il veut absolument se battre. Ce Lignon, quoi. Juste, lâche-moi. Non, c'est des Beflave. Contre la brûlure, d'accord. Ok, bon, c'est pas ça que je voulais. Non, ça c'est Kikléon, je m'en fous. Est-ce qu'elle va me voir? Non, bah là, elle va me voir, hein. C'est clair, net. Non! Je l'avais combattu. Ou ouais, elle me voit pas, je sais pas. Ouh, la gym à quoi? Allez, c'est parti, en route pour le mont Memoria. Il faut qu'on chope le trésor avant que les bandits de la team Magma mettent leur sale panne dessus. Ah mais j'ai pas coupe là. J'ai pas coupe. Il y a un truc. Ah il faut coupe là. Ouais de toute façon c'est pas très grave. De toute façon j'ai Lilia comme Pokémon CS en fin de compte. Ah non elle apprend même pas. Oh dommage. Bon bah écoutez on pourra pas regarder ce que c'est. Ça se trouve c'est méga jeune, j'en sais rien. Ah mais attends on peut pas aller au parc safari. Ah quoi que si attends. Ah, il bah faut se faire les deux dresseuses. Ah, non, ils m'ont eu. Ils m'ont eu, malheureusement. Qu'est-ce que... Je crois qu'elle avait un Monaf limite. Hein. Ouais, elle a bien un Monaf limite. Oh, le Spinda, ouais, je crois qu'elle avait un Spinda aussi, mais... Ah, j'ai niveau 28.
Pas du tout. Ce n'est pas du tout niveau 28. Ah ouais, quand même. non, ma chouche, une bête. Ah, je vais toucher Kusa, c'est pas grave. Résiste, Kusa. Ah ouais, ouais. Oh, j'ai fait un coup critique, mince. Le pauvre, il a pris tellement cher. Attrition. Bon, ça va, ça fait pas trop de dégâts. Ah, t'es blessé par le casque brut. Et comme quoi, le casque brut est vraiment très sympa. Qui attaque en premier? Ah, la vivrif. Comme quoi, la vivrif, c'est important. Oh, ça l'a pas tué. J'aurais pensé, hein. Ils vont me donner pas mal d'XP, hein, parce que Monaf Limite, niveau 35. 1890. C'est vraiment bien, ça. Spectro monte au niveau 40. Meteos 48. Lila monte au niveau 23. Oh la vache. Ça c'est bien ça. Du coup, là, on peut enfin aller au parc safari. Bon, j'ai de l'argent donc ça va quoi. C'est un Kikléon qui bouge, c'est une poupée. Oh, c'est un Kikléon. Ah, dès vos rêves. Cool. Ça, c'est cool, ça. Bon, j'ai pas hypnose, mais... Pour Spectrum Ectoplasma, c'est... C'est sympa. Hein? C'est gratuit, maintenant? L'entrée est gratuite, attrapez tout le Pokémon que vous trouvez. Ah bon? Avant, c'était payant. Et en plus, on avait des... Des Safari Balls. Ouais, bah écoute, je sais pas... J'ai un vélo de course, donc on va voir pour ce qui est vélo de course. Ah, j'entends Pikachu, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Oula, là, je sens le vélo de cross à plein nez, là. Ouh là 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 là, je sais pas si ça a changé, mais... Pikachu, ouais, c'est bien. J'ai déjà un Pikachu cosplay. Ah, un Pikachu encore. Eh, hey, niveau 30. Je sais pas s'il était niveau 30. Ah mais carrément, on peut les attaquer et gagner l'XP. Ah mais redis pas que c'est encore un Pikachu. Attends. Dojo, bah non, c'est pas du tout le même. C'est-à-dire on peut les blesser et gagner d'XP. Non. Ne tue pas. Ah il a tué. Est-ce que je gagne de l'XP? Je gagne de l'XP au parc safari. Waouh. Et en plus on peut prendre nos 6 Pokémon. Mais c'est ultra cheaté. Je sais pas si vous en rendez compte là. Bon, par contre je vais pas réussir à le capturer. Hein. Est-ce qu'ils peuvent fuir les Pokémon? Je ne pense pas qu'ils peuvent fuir. Je vais essayer de lancer une ball. Et voir s'il peut s'enfuir ou pas. Et s'il s'enfuit pas, la magie du parc safari, si les gens trouvent un shiny, ils seront vraiment heureux quoi. En plus, on les capture tellement facilement. Non, j'ai eu de la chance, à mon avis, non. Parce que là, j'ai capturé un de duo tellement facilement. Une boule. On gagne de l'XP, c'est tellement abusé. Ah, franchement... ce Spark Safari est intéressant. Après, je sais toujours pas s'ils peuvent s'enfuir. À mon avis, ils peuvent pas s'enfuir. Et si les gens trouvent des chaînes... Un Zatou. Ouais. Un Zatou sauvage. Il n'y a pas de Natu. Ouais bah là, c'est vraiment cheaté. On trouve vraiment des belles perles rares. Hein. Je me rappelais plus du Zatou là. Est-ce qu'on peut trouver des Zatou sauvages? Natu oui, Zatou je sais plus. Hein. En plus niveau 30. Ça m'étonne un peu. Ça va pas être forcément facile, surtout un Zatou quoi. Oh on l'a eu. GG. GG en un Zatou maintenant.
Ouais, ben le parc Safari, je trouve qu'il est un petit peu cheaté, hein. Car les Pokémon s'enfuient plus, on n'a plus le système des Pokéblocks, tout ça, donc... Ils ont bien simplifié la chose. Intéressant parce que déjà c'est gratuit. On utilise nos balls qu'on veut en fait déjà. C'est sympa. C'est sympa. Après pour le temps limité, j'espère que c'est pas trop trop limité non plus. Il y a peut-être quelque chose qui me dit lui. Ah, Pokémon rare, je sais pas quoi. Et lui tu me donnes quoi? C'est une CT ça en plus. Ah, il y a une CT. Il y a une CT. Comment on fait pour l'avoir là? Je veux la CT, je pense. Comment fait-on pour avoir la CT? Au moins contourner, je pense. Ouh, Girafarig! J'ai entendu le cri de Girafarig. Bon, ça c'est un autre duo. Niveau 29. Je crois qu'il y en avait des niveaux 31, je crois. Je suis pas sûr. Mais parc Safari super cheaté, franchement. Un régal. Un régal. Est-ce qu'on peut trouver des bons Pokémon ici? Qu'est-ce qu'on a entendu là? J'ai entendu un Pokémon ultra chelou, je crois que j'ai jamais entendu ce cri. Ah, niveau 28. A mon avis, ça varie selon le level. Bon, je sais pas. J'avais entendu un cri de Pokémon, mais... je sais pas ce que c'est, quoi. Un Ortid, on en a déjà, hein, ça sert à rien. Au pire, on peut le tuer, on gagne de l'XP, mais... Non, laisse tomber. J'ai peur qu'il me paralyse ou qu'il me fait méga son suivre. J'ai mon Pokémon. On a un Culbutoke. J'entends Culbutoke, les amis. C'est un Culbutoke. Le problème, c'est qu'on se voit pas, en fait. Oh, à niveau 28, lui. Putain, je le voyais pas, quoi. Je le vois... Des fois, c'est vrai que dans ces herbes-là, on voit pas forcément le dresseur. Ah, c'est une femelle. Parce que vous voyez qu'elle a du rouge à lèvres. Si c'est un mâle, il n'a pas de rouge à lèvres. Donc là... On va faire un croc de feu. Quoi qu'il a peut-être voit le miroir, merde. Je vais voir ce qu'il a comme attaque. Il a la trouille, heureusement. Alors, j'espère que t'as encore la trouille et que t'es pas brûlé. Aïe 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 aïe, la vache. Il m'a bien eu le Culbutoke. Il m'a bien eu. Je vais prendre qui? Spectro. Il m'a vraiment bien eu là. Là sur ce coup là, bien joué à toi. Vous vous rendez compte, si on était en Nuzlocke Challenge, on aurait perdu un Pokémon si facilement. Ah, et puis il est pas facile à capturer, on dirait. Voile miroir, il a en plus. Riposte, voile miroir. Oh la vache. Je déteste ce Pokémon-là. Mais il me le faut pour le coup Pokédex. Ah, il veut pas venir. Hein. La rune protect aussi. Vas-y. Let's go. Génial. Parfait. Parfait, au niveau du parc Safari, on est bien. On est bien, bon, et Mathieu Mogranino, c'est pas grave. Culbutoke. En une rencontre, on l'a capturé. On l'a rencontré une seule fois, on l'a capturé. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre Pokémon? Attends. C'est un Odulite, ça? Ah non, c'est un mystère. Non, c'est un mystère, je le disais aussi, c'est un peu... Ah, ça, je crois que c'était un natu. Est-ce qu'il y a une des autres zones? Un rappel. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aimerais bien voir la CT, personnellement. Oh, un Pikachu. Est-ce que t'es cheaté toi ou pas? 30 avec ruse. Ouais, ça va. Non mais là je peux pas passer.
Et comment tu passes là-bas là, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On peut pas avoir les deux d'un seul coup, comment ça se passe? Je comprends pas là. Merde, je me suis trompé, quel con. En plus, j'ai même pas reparlé à la dame. C'est quoi ce délire? Ah mince. Bah peut-être on peut tomber sur des rigots. Normalement il y avait des rhinocornes, mais je crois que c'était pas peut-être pas cette zone, je sais pas. Voilà, faut-il le cross. Peut-être moi. Ah mais regarde, comment tu veux passer par là là? Qu'est-ce que c'est ce truc? On peut pas redescendre déjà. Si? Je vois vraiment pas clair des fois. Des fois je me demande. Alors, ici on est dans la même zone. Attends, il y a quoi ici? Il y a une Pokéball. Grande perle, ça se vend 3750 Pokédollars je crois. Et là... Là je suis bloqué. Hein. Là je suis bloqué. Attends, est-ce qu'il y a un truc là? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu me dis toi? Ah, viens là! Oh putain, il y a une méga gemme! Attends, comment on fait pour l'avoir là? Il y a un rhinocorne. Il y a aussi un rhinocorne. Et mais il y a tellement de trucs dans ce parc safari, mais c'est un safari de fifou! Bon déjà, je veux la méga gemme. Le rhinocorne, je le veux aussi, mais... Eh, niveau 30, celui-là. Je le prends. Je vais le prendre, celui-là. Non, mais il y a la méga gemme à la clé, regardez bien. C'est quoi comme méga gemme? C'est quoi comme méga gemme? J'aimerais bien le savoir là. Ah mais je vais le tuer là. C'est pas bon. Quoique avec éboulement je pense pas que je vais le tuer. Ah je sais pas en fait, il est quand même niveau 46, on tente quand même. Oh c'est bon. Piétisseul là. Ça va, c'est que dalle. Ah il me baisse ma vitesse. Éboulement. Ah il a la trouille heureusement. On va retenter un petit éboulement. Tue pas lui. Ouais nickel. Il a la trouille. Ah non, il écrase. Écrasement. Ok, on va peut-être le... Je vais essayer de le capturer celui-là. Ah ouais, il est blessé par le casque brut. C'est super dangereux en fait pour capturer les Pokémon, c'est vrai. Bon c'est pas grave, attends. On va lancer la Pokéball. Je pense que celui-là, il va y arriver. Eh ben non. Piétis seul. On va changer de Pokémon. J'ai vraiment peur de le... J'ai vraiment peur de pas le capturer. Je sais pas s'ils sont rares les rhinocornes. Mais en tout cas... Ouf, ça va, ça fait pas trop de dégâts. Vas-y. On y va. Oui, on l'a eu. Parfait. Parfait, on a eu Rhinocorne. Ça, c'est cool. Mais moi, je vais la méga gemme maintenant. Non, mais je sais pas ce que c'est comme méga gemme, mais... Je sais pas. Charnocyte, non. Galamarite, non. Je sais pas. Ténéfixite. Je sais pas. J'aimerais bien la voir, comment fait-on. Il y a une Pokéball là, mais comment tu passes cet endroit? Attends. Ou alors il faut le Vélocross. Il faut peut-être le Vélocross. Ah lui niveau 28, c'est bien, j'en ai chopé un niveau 30, ça c'est cool. Lui il est niveau 28. Pépite, ah cool, on va revendre ça après. Est-ce qu'on peut utiliser des max repousses? C'est où ça? J'ai une repousse. J'ai un max repousse, parfait. On peut? Non. On peut utiliser un max repousse. J'ai entendu why why. C'est quoi? C'est psycho-quad ça, non? Non, non, mais là, c'est cheaté, hein. C'est vraiment cheaté, hein. Attends, mais je veux la méga gemme, là. Je veux la méga gemme.
Comment fait-on pour avoir la méga gemme? Il faut lever le crush, je pense. Attends, regarde-moi ça, il y a une méga gemme qui brille là, comment on la récupère? Non, j'imagine qu'il faut... C'est quoi qu'on a entendu là? Je crois que c'est un insécateur ou un scarabrut. Il y a bien des insécateurs dans cette zone. Intéressant. Bah écoutez, je pense qu'il faut le vélo de... Il faut le vélo de... Le vélo cross, c'est ce qu'on va faire, hein, vous inquiétez pas. Juste regarder quelques petites zones davantage. Parce que là, franchement, ce parc safari est vraiment une tuerie. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, j'en mets un au cas où. Attends, y'a quoi ici? Parce que, ça se trouve, on peut tomber sur une bonne CT. Ah, y'a une CT, bah voilà, j'avais raison. Lance-soleil, pas mal là, franchement, nickel. J'ai pas la méga gemme, par contre, c'est ça le problème. Alors, attendez. Y'a peut-être des trucs sympas, là. Je pense que là, déjà, t'as une méga gemme à la clé... C'est pas un truc de merde quoi. C'est marrant mais... C'est quoi qu'on a entendu là? C'est quoi qu'on entend? Un scarabrut! Oh il me le faut. Putain, viens là. T'es où? Mais il fout ma gueule. Viens là. Voilà. Je vais essayer de capturer le scarabrut. S'il y a un insécateur, je connais quelqu'un qui va être très content, c'est Chrono. Clairement. Scarabrut. Scarabrut, il me faut quoi. C'est-à-dire on peut avoir la scarabrut. Ah c'est peut-être la scarabrutrite, scarabrutite ou scarinoïte. Hein, peut-être. D'ailleurs, je sais même pas si on peut avoir un Scarino. Non, bah non, je suis con. Si j'attaque, je le tue. Allez, la Pokéball. Ah, la Pokéball, non. Il est casse-brique quand même, c'est pas de la merde. C'est bien, il s'afflige pas mal de dégâts. Vas-y, la Pokéball des familles. La Pokéball des familles. C'est parti. Pas du tout. Sacrifice. Oh. Ouais, bah, putain, il fait mal. Hein. Waouh, ils font mal, hein, les Pokémon. Ah, j'espère qu'il a pas sabotage, lui. Ah, j'ai peur. Il y a moyen qu'il a sabotage, non? Coup double, non? Petit dans Rubio Blégat à... Non, attends, Scarabrut, ça c'est 14, c'est peut-être pas dans la même version. Putain. Oh là là! J'ai envie de te tuer, j'ai envie de te tuer, pas tuer, mais te capturer, quoi. Allez! Rentre dans cette Pokéball. J'appuie sur tous les boutons pour avoir plus de chance. Pas du tout. Sacrifice, c'est bien, ça fait des dégâts tout seul. Ouais, pas trop, mais... Bon, vas-y, là, faut que je te capture, là, vas-y. Nickel. Parfait. On a un Scarabrut. On a un Scarabrut, c'est cool. Et je savais pas que les max repousses marchaient en dehors de... Enfin, dans le safari, quoi. Je sais pas si c'était possible avant, ça. On va dire, j'avais jamais essayé. Mais on a vu, je pense pas que c'était possible. Je sais pas. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Là, il y a encore une CT? T'es sérieux? Oh non! Oh, le troll! Oh, il faut lever le cross.
Mais par contre, je trouve que ce parc safari est plus petit. Et on trouve beaucoup plus de Pokémon. On trouve beaucoup plus de Pokémon avec les Max Repousse. C'est un psychoquack. Ouais, c'est un psychoquack. Ouais, je trouve que les Max Repousse sont ultra cheatés. J'ai cru que le micro était là en fait. Le Max Repousse sont ultra cheatés car ils peuvent nous permettre de trouver des Pokémon plus facilement avec le Navidex. J'ai remarqué ça. Ah, il va me péter, il va me tuer, il va me tuer. Ah non, même pas. Pincement. Ce serait la honte si si Psychoquack me tue. Non mais c'est vrai quoi. Parce que 8 HP en plus, c'est juste le capturer. Ah là là. En trêve, on en fout. Je veux le bombarder de Pokéball, il sera obligé de rentrer. Ce n'est pas un légendaire. La coupe croix! Il la coupe croix, Psychoquack! Non! C'est quoi ce safari de fou? Il la coupe croix! Mais non! Mais n'importe quoi, il a pas coupe croix! Il avait jamais ça! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce safari est un safari de fou! C'est un truc de ouf! Coupe croix! On croit, je crois que c'était des match-hoppers, moi. Puis je fais des coups critiques comme ça. Je vais te calmer, là. Allez, allez. Deux rebonds, c'est tout. Tu vas te calmer, toi. Faible au bol, ouais, t'es faible, là. Alors on se la fait bobol, on va se marrer sur le capture quoi. Mais t'es sérieux, il est quand même niveau 27, c'est pas une fée. Enfin je sais pas, c'est pas un Pokémon faible. La coupe croix. Non c'est pas grave, au moins on vit le psychopop facilement. Si je voudrais bombarder la Pokéball, je sais pas si je voudrais capturer quoi. Ça c'est cool, on a capturé un autre Pokémon. Mais du coup, il me faut le vélo de cross et acheter des max repousses. Hein, parce que là... Ça c'est Scarabrut. Hein. Ah mince, c'est terminé. Mais ouais, je trouve que le parc safari... Ben, le parc safari personnellement... Et attends, il est quoi lui? Il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est niveau 20 mais bon, je l'avais déjà capturé, je comprends pas pourquoi il me l'a mis en nombre. Mais ce parc safari est sympa, mais je trouve qu'il y a moins de Pokémon. Clairement. Après peut-être je me trompe, mais genre il y avait une zone rocheuse et tout, je sais pas où aller. Peut-être j'ai mal vu. Ah peut-être plus tard, hein, parce que là on est en train de se faire narguer par la méga gemme. Donc moi je pense que Lavandia direct Velocross. Hein. Alors on va direct à Nénucric. Je pense que le mieux c'est d'arriver à Nénucric directement. Ah parce que regardez, elle est en l'air, elle est pas dans l'herbe. Donc je pense que c'est ça qu'on va se faire. Avant de vous quitter, on va récupérer cette gemme qui nous nargue. Parce que j'en peux plus là. Je veux cette gemme. Je veux savoir. Mais même ça, on n'a pas réussi à l'avoir. Ah mais non mais attends. Même ça, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on l'a pas eu celle-là. Cette CT. Il y a des trucs qu'on n'a pas vu, c'est pas possible. En tout cas, il y a une CT que j'ai pas récupérée. Hein. Il y a une CT, une Pokéball que j'ai pas récupérée. C'est pas grave. J'aimerais bien savoir ce que c'est quand même. Hein. Et la méga gemme, Jordo. Parce que là je comprends pas trop là, hein. Je comprends pas pourquoi on peut pas... Il faut lever le cross. Je sais pas en fait. Non!
Dans Emerald, il y avait d'autres zones qui s'ouvraient en fait après la ligue. Il y avait des Pokémon de jetons. Dans la haut Emerald, ouais. Vas-y, c'est bon. Je m'en fous. On va aller à Nimikrik. Je pense qu'on va aller à Nimikrik. Je vais essayer de pas me se faire les dresseurs. Là, j'ai pas envie de me faire les dresseurs. Est-ce qu'on peut soigner? Je ne sais pas. Je pense pas. Parce que... Oula, oula, c'est pas fini ça. Oh, attends, il peut un peu. Max repousse. Ah bah, c'est bien. Moi, j'en ai un. Ah, il y a un dresseur. Il y a un dresseur là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, oh, je me suis fait avoir. J'ai marché doucement. C'est pas possible ça. Florian, vas-y. Oh, il exprime. Il rigole pas. Vas-y, Camerupt. Moi aussi, je rigole pas. J'ai un Camerupt. Je vais faire un Tellurie Force. Elle est quand même niveau 35. Hein. Ouais. Putain, j'ai bien XP. Je comprends pas là. Le fait de capturer des Pokémon, tu gagnes du XP, j'ai mis du XP, il est quand même niveau 35 quoi. C'est pas mal. Ah lui, il monte au niveau 24. Je m'en fous de l'IA quoi. Il y a une Pokéball, mais bon, j'ai dit là, on va rush un peu. Je suis obligé de me faire avoir là. Elle voulait pas se retourner. Elle a un Pokémon, c'est parfait, elle a un Pikachu. C'est Uriforce, on n'en parle plus. Je pense qu'on va se faire ça. Ah, parce qu'il y a une CT dans le parc Safari qu'on n'a pas eu. On a la Pokéball qu'on n'a pas eu. Et on a la Mega Gem qu'on n'a pas vu et on n'a pas tout exploré étant donné qu'on n'avait pas le vélo cross. Mais on avait le vélo de course qu'on a exploré pas mal de choses. À mon avis... Le vélo cross, c'est encore des trucs à regarder, donc peut-être deux zones supplémentaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais pas. Je me pose la question. Je sais pas. Là, c'est pas. Là, il y a un truc. Hein. Total soin, non, c'est de la merde. Bah, pourquoi je suis venu là? C'est nul. C'est nul, c'est nul. Voilà, on est à Nimikrik. Je vais me dépêcher. Sinon l'épisode va être trop long. Et en plus, cet épisode, bah, j'étais plutôt que dans le... Comment ça s'appelle? Dans le parc Safari, quoi. Et surtout qu'on n'a pas la méga gemme, je la veux avant la fin de l'épisode, ça c'est obligatoire. De voir une gemme comme ça qui te nargue, qui te dit, t'as vu, je suis à côté et que t'arrives pas à la trouver, je te dis quand même, ça te fait un peu mal. Donc dans le prochain épisode je pense qu'on se... On visitera la ville de Nimikrik. On ira au Mont Mémorial je pense aussi. Ouais c'est bon ça. Hop, vol. Et on va aller à la Vendia pour avoir notre vélo cross cette fois-ci. Et voir quel mystère il y a dans ce parc safari pour avoir cette méga gemme. Je ne sais pas c'est quoi cette méga gemme mais ça m'intéresse. Là elle m'intéresse celle-là. C'est parti, alors le vélo cross, il est où le vélo cross? C'est où? C'est pas là, c'est peut-être là-bas, je sais plus. Non, c'est pas là. Ah mince. J'aime pas être bloqué comme ça. Ah, dégage! C'est chiant. La piste cyclable est où? Elle est tout là-bas, d'accord. Elle est tout là-bas, donc elle est ici. Non, elle est là. T'as déjà que j'ai du mal avec les cartes. C'est génial. Je vois pas clair. Attends, j'ai des lunettes. Ah bah voilà. Alors, donne-moi le vélo cross s'il te plaît. Ouais, je vais changer de vélo.
Le Vélocross. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux la méga gemme. Je veux la méga gemme, je vais acheter des max repousses quand même. On sait jamais. On peut en plus on tombe sur des Pokémon beaucoup plus rares. Ça, c'est quand même assez intéressant de le voir, ça. Je vais acheter des max repousses. Ouais. Je crois que c'était ici parce que l'autre c'était les bols. Les balles là. Max repousse, c'est où? Ouais, t'en as plein, hein. Je vais en acheter 15 alors. Oh, c'est bien, j'ai de l'argent, c'est cool. Ok, ok. Allez, on se dépêche. Ah. Tac, tac, vol. Mimicric. C'est ici, tac. Ah, je crois que ça filmait pas, j'ai eu peur. J'avais sauvegardé. Ah non, c'est pas ici, je suis con. Alors, le parc safari, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec le Vélocross? C'est bien, on se fait pas harceler par des Pokémon avec le vélo, j'ai remarqué. Là, il y a moins d'apparitions de Pokémon. Je sais pas, peut-être parce qu'on est plus rapide. Je sais pas. Alors, max repousse. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans le parc safari avec le Vélocross? Go. Alors, déjà on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Vas-y, saute. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, 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 ce truc là. Comment tu veux faire? Ça marche pas. Ah ok. Faut faire un petit saut légèrement et incliner vers le haut par exemple. Ah ouais, ok, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est où la méga gemme? Je veux juste la méga gemme. Ouah, c'est quoi ce qu'on a entendu là? Un donphan! Oh, un donphan! Pas mal! Je le veux bien celui-là. Un donphan. C'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. On va faire un morceau. J'espère pas te tuer quand même. Hein. J'aurais un peu la rage sinon. Ouh. Ouah, il en pleure! Non. Ampleur 6. Ça va, il a fait qu'une ampleur 6, mais c'est une ampleur 9. Une ampleur 10, voilà quoi. Ah, le donphan m'intéresse quand même, hein. Hop! C'est bon. Ampleur 8. Oh là 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 là. Je me fais défoncer. Oh, ça va, il reste bien. C'est franchement un parc safari de fou. Donphan. Ah, il veut pas du tout rentrer. Hein. Il a éclat de glace. Ah bon? Coup critique, génial. Oh, parc safari, ils font tous des coups critiques sauf moi, quoi. Nickel. Parfait, on a Donphan. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Franchement. Oula, niveau 45. Ça aussi c'est encore plus cool. Eh hey, franchement, Donphan, jamais testé comme Pokémon. Les types seul par contre. C'est vrai que. Il n'y a qu'un seul type. Je sais pas. Je le prends pas dans l'équipe, mais. C'est sympa. Oh non, merde, je me suis fait avoir. Il y avait des fampis normalement, non? On montre des fampis. Ah ouais, j'en prends un autre. Il y avait des fampis normalement. Bon, bah, c'est bien, on a découvert un nouveau Pokémon dans la zone du Navidex. On a des Pokémon hauts qu'on n'a pas vu, mais bon, c'est pas mon intérêt. Regarde ça.
Hop, 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 hop. La méga gemme est presque à côté, je pense. Ah, encore. D'accord. Est-ce que je peux passer par là? Ah, peut-être avoir la cité là-bas. Ouais, peut-être. Il y a moyen. Mais non, il faut... Faut lever l'autre course. Et le Pokéball, ouais, mais... C'est quoi qu'on a entendu le téné... Oh! C'est quoi? Psycho Quack. Bah ouais, mais non, mais... Attends, je comprends pas là. Pourquoi j'ai pas réussi à la récupérer celle-là? Oh, il y avait un girafe à régler. Attends, il y a peut-être des Pokémon encore plus intéressants. Ah, Pikachu, c'est la merde. Et il est où en plus? Je sais même pas où il est, m'en fous. Non mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à récupérer la CT là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je vais reprendre Max Repose, mais... Attends, là je suis bloqué là. Pourquoi j'ai pas la méga gemme? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors Frankie, tu veux pas la méga gemme? Il me la fout la méga gemme là. Qu'est-ce qu'ils me font là? Attends. Oh là là. C'est horrible ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un meurtrier ça, non? Ouais, plein de poison. Ah, attendez. C'est la méga gemme là ici normalement. Et... Mais y'a quoi là? Y'a rien là. Bizarre, des fois y'a des trucs que je comprends pas. Hein. Ah mais, allez, voilà. Je sens la méga gemme là. Je sens la méga gemme absolute. En plus on a un absol maintenant. Cool. C'est génial ça. Alors non, j'essaie de... Vas-y, saute. Des poissières, des léviators, je crois bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Des pois sirènes. Ah c'est peut-être poisson roi, non? Attends, on va voir. Ah oui, c'est vrai qu'un Amex repousse. Ah attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un psychoquack, mais je l'ai déjà. Je m'en fous de ton psychoquack. On y est où là? Rappel Max. Et je récupère plein de choses. Bon, j'ai pas récupéré la CT pour le jeu de course. Bon, c'est pas grave. Vous me direz ce que c'est dans les commentaires pour ceux qui l'ont eu. Pierre doit prendre un hors champ. Mais là. Attends. Je sais pas s'il y a deux trucs, mais je pense pas. Bah, c'est pois sirène ou poisson roi ou... Je sais pas. Non là y'a rien. Mais j'ai un faille on l'a pas eu en plus. Hein. Je regarde bien. C'est peut-être lui. Je le vois pas. Il est où? Je sais pas où il était hein. Perso. Ouais c'est un psychoquack.
Maintenant je le connais. Ok, bon, on a récupéré pas mal de Pokémon en tout cas. Et donc les amis, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Et dans le prochain épisode, eh bien, attendez, juste avant de vous quitter, juste récupérer les objets, les Pokéballs là. Carbone, ouais, ouais, c'est pas mal ça. Sans vous quitter, je voulais prendre les derniers. Là, y a rien. Attends, c'est une méga gemme là? Je vois un truc qui brille là. Ah non, c'est... ok. C'est la lumière du vélo quoi. Ok. Ah, je peux pas la récupérer celle-là. Juste avant de vous quitter, je voulais vous montrer un truc, mais je sais plus. Ah oui. Oh, attendez, un Polish. Oh mince. Dommage. Juste avant de vous quitter, normalement, si je m'en souviens bien, il y avait un truc dans des rochers aquatiques. De toute façon, on visitera la ville dans le prochain. Fais du shopping, oui, si tu veux. Je vais pas l'affronter, j'espère. C'est le centre commercial, le meilleur endroit. Oh putain, il est beau le centre commercial. Meilleur endroit pour trouver tout ce que tu veux. C'est pas ça que je voulais vous montrer en fait. J'ai craqué pour des poupées et des posters. Aussi, j'ai craqué pour plein d'autres. Ouais. On trouve un petit point. Hop. Pas maintenant. Oh non, mais t'es sérieux! Oh, mais t'es sérieux, c'est pas ça que je voulais vous montrer! Oh, le gros fail! Ok, bah c'est parti pour le combat! On va se venger! Eh, niveau 37 quand même! Hein. Il a fait quoi là? Aéropiqué, je crois! Vas-y, mâchouille! Voilà, il est dead! Voilà! Je sais pas, tu joues trop Flora, tu joues trop, je voulais montrer un truc aux abonnés. Waylord. Oh, Waylord! Mais non, normalement il a Waymer. Ah bah il évolue, écoutez. Ah c'est alors. Ah, sympa. Ah, va-t-il avoir sa troisième évolution de starter? Parce que Flora, dans Ruby Saphir Emerald, on s'arrêtait sur l'avant-dernière évolution du starter à sa forme finale. Et il était niveau 34. Et là on voit quand même, ces Pokémon sont quand même... là, Waylord, normalement elle a Waylmer déjà. Et Lidl, je crois qu'elle avait un Lidl. Oh là 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 là. Bien joué Waylord. Bien joué, bien joué. Vas-y Spectro. Un coup souffle. Ouais. Ça veut dire qu'elle a peut-être le starter à sa forme finale, mais ça, ça serait énorme. C'est-à-dire on pourrait compléter vraiment le Pokédex. Parce que bah on pouvait pas compléter le Pokédex si dans Ruby Saphir et Emerald, étant donné qu'on n'avait pas le starter à sa forme finale, on était obligé de faire un échange carrément. Et là, on a Junko au niveau 39. Oulala, pas mal. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir que Nintendo ont pensé à ça. Mais surtout avoir du challenge, parce que c'est quand même sa forme finale, quoi. Vas-y, on s'envole. Quoique, il va peut-être résister. Eh, il a souplesse. Vas-y. Ah, il a résisté. Souplesse. Ça va, il fait pas trop mal. Enfin, je suis en forme méga. Oh, des actions. Intéressant. À quoi souffle, là? Parfait. Nickel. Parce que 2000 points d'XP quoi. Le 41. 3 en attaque XP quoi. Petit coup de boule. Oh. Puissance 80 pour précision de 90. Je pense enlever soin. Ouais. Tu vois, je peux très bien le rapprendre. Ouais. Mettre des capacités, tout ça. Mais t'as aussi le 49. Volcaropod, je crois, il va s'arrêter à l'Imagma. Hein. Elle avait pas du tout de Volcaropod. Franchement, du challenge là, c'est bien. C'est bien, bravo. Hein. Son dernier Pokémon en plus. On va tester le psy coup de boule, bah voilà. C'est marrant. Ouh, il résiste bien, mais. Rebondit feu. Balle brume, allez hop. Passe à la. Passe à la manière forte. Voilà, c'est beaucoup mieux, hein. 1541. Eh ben voilà Flora.
c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas grave. Ça me rappelle, la fois où on s'est affronté sur la route 103. Ce combat t'avait permis de bien progresser. C'est grâce à moi que force s'est autant développée. C'est pas grâce à toi, mais... Ah, ne le prends pas sérieusement, mais j'ai juste eu envie de parler comme une championne. Je ne sais pas pour toi, mais il est temps pour moi de rentrer à Bourg-en-Vol. Comme j'ai attrapé plein de Pokémon et mon Pokédex a bien progressé, je vais le montrer à mon père. Tiens, c'est quoi cette lueur dans ton sac? On dirait le même éclat que la météorite. Ah, ça a disparu. Oublie ce que j'ai dit, ça devrait être mon imagination. Toi, Spectro, tu vas faire quoi? Je pense que c'est l'orbe bleu. Ah non, je l'ai pas en fait. Bizarre. Et toi, Spectro, tu vas faire quoi? Tu vas rassembler tous les badges pour relever le défi de la Ligue Pokémon? Eh bien ouais! Bon courage! Pendant que tu partiras à la conquête des arènes, moi je vais continuer à remplir mon Pokédex. Bon, moi j'y vais! Salut! Bon, alors, ce que je voulais vous montrer, voilà, avant qu'on se quitte, on peut trouver un objet qui est sympa et qui se revend 4900 Pokédollars. Voilà! Mais je me suis fait avoir par Flora, je me rappelais plus de ça. Et c'était où? Je crois qu'il faut multi-ex parce que je me rappelle plus. En plus ça, bah, ça a changé quoi. Voilà, le EPP+. Voilà, c'est pour ça que je voulais m'arrêter là et je voulais vous dire bah, qu'on pouvait avoir ça. Malheureusement Flora m'a importuné. Voilà. Et on va casser ce petit rocher. Ah bah non, on peut pas. Tant pis, bon c'est pas grave. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Attendez. Est-ce qu'il va avoir peur? Chatouille niveau 25. Ouais, c'est pas terrible. Voilà, donc écoutez les amis, bien on va se laisser. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi eh bien, ce let's play de Pokémon Arceus Saphir Alpha qui n'est pas terminé, ne vous inquiétez pas. On se retrouvera bien pour la suite de ces vidéos. S'il vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like des familles, un petit commentaire des familles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le quotidien de ce let's play de Pokémon Arceus Saphir Alpha. Il y a pas mal de choses à récupérer dans le Nénucric. Et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci à tous et on se retrouvera pour la suite de ces vidéos de Saphir Alpha. Et dans l'épisode précédent, et bien je pense que on va se faire la visite de Nénucric et le Mont Mémoria. Voilà tout, merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde !